de Valentin, de Stan et de Lydia. Les quatre enfants portent une écharpe violette. Cette écharpe, ils l'ont portée autour de leurs épaules pendant tout ce temps de préparation. Dans un instant, après avoir été baptisés, cette écharpe deviendra blanche. C'est la couleur du baptisé. Telle l'aube du diacre, du prêtre, de l'évêque. Ce vêtement nous rappelle que tous Créateur du ciel et de la terre, oui, je crois. Et vous tous ici présents, oui, je crois. Chers enfants, croyez-vous en Jésus-Christ, son Fils unique, notre Seigneur et notre Dieu, qui est né de la Vierge Marie, qui a souffert sa passion, qui a été enseveli, qui est ressuscité d'entre les morts, et qui est assis à la droite du Père. Et vous tous ici présents, oui, je crois. Chers enfants, croyez-vous en l'Esprit Saint, à la Sainte Église catholique, à la communion des saints, au pardon des péchés, à Florian, je te baptise au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Prenez la serviette pour les suivre. Stan, je te baptise au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. William, je te baptise au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Restez cette joie de ne pas avoir peur. Il y a des gens qui disent c'est de la connerie de croire en Dieu. Ça ne sert à rien après tous les malheurs qu'il y a dans le monde et puis ceci et cela, comme si c'était Dieu la faute. Au contraire, soyez heureux de qui vous êtes, de ce que vous êtes, de ce que vous croyez. Et mettez toujours votre confiance et votre amour en Jésus. Celui qui est votre ami, celui qui vous aime chaque jour et à qui vous pouvez vous confier à chaque moment de votre vie. Pour bien montrer que par votre baptême, vous avez revêtu le Fils. Désormais, il est ce compagnon qui chaque jour chemine avec vous et avec qui vous cheminez. Vous êtes devenus des enfants nouveaux. Répandez autour de vous, comme vous le pouvez, la clarté, la joie et la paix. Chers enfants, soyez rayonnants d'amour pour partager cette joie que nous avons vécue ensemble, avec vous et grâce à vous en ce dimanche. Soyez vraiment remplis de la grâce de Dieu, et quand vous reconnaîtrez pécheurs et fragiles, soufflez-vous toujours que Dieu vous offre. La nuit de la maladie, le Seigneur est vraiment authentiquement présent. Alors, chers amis, apportez maintenant ces cierges. Recevez donc à présent la lumière du Christ. Cette lumière vous est confiée. Veillez à l'entretenir, afin que vous avanciez toujours dans la vie en enfant de Dieu, en enfant de lumière, et que vous viviez toujours
dans la clarté de l'amour du Dieu vivant. Au souffle des tempêtes, entre nos rêves.